Bonjour à tous et bienvenue sur Sofresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2019, je vous propose une vidéo tout à fait différente des autres, une vidéo feedback. Dans un premier temps, je souhaite tous vous remercier de m'avoir encouragé dans ce projet de création de chaîne YouTube. Et dans un second temps, et surtout d'ailleurs, je souhaite vous remercier de m'avoir suivi, d'avoir regardé mes vidéos, de les avoir likées et d'y avoir mis des commentaires, car c'est grâce à vos actions comme celle-ci que vous me permettez d'être de plus en plus visible sur les réseaux et sur Internet. Aujourd'hui, nous sommes le 16, non le 17 décembre, 402 abonnés et 35 vidéos. J'ai donc publié une vidéo tous les 15 jours et toutes les 3 vidéos de conseils en nutrition, je vous proposais une vidéo recette. Visiblement, ce concept vous a plu. J'ai eu tout au long de l'année l'occasion d'avoir plusieurs retours de vous, patients, amis, voilà, ou personnes que j'ai rencontrées par hasard dans différents projets autour de la nutrition et du bien-être. Donc, je suis très ravie de vous annoncer aujourd'hui que mes vidéos ont exactement eu l'effet que je souhaitais, c'est-à-dire quelque chose de frais, de dynamique, de joyeux, qui vous apporte des conseils professionnels avec une touche aussi un petit peu de moins sérieux pour avoir un côté un petit peu fun, un petit peu divertissant. Je vais vous faire aussi un retour de ce que ça m'a apporté à moi de faire cet exercice parce que en effet c'est un réel exercice hein, de se filmer, de parler face à la caméra. D'ailleurs on peut voir hein, la différence pour rigoler entre les premières vidéos. On voit que le discours est pas fluide, que je suis tendue, que je réfléchis beaucoup avant de dire quelque chose et donc on voit bien la différence avec les dernières vidéos où là c'est beaucoup plus fluide, où on voit vraiment que je m'amuse, que je m'éclate, que je prends plaisir à vous donner ces informations. Et surtout dans la vie de tous les jours, je trouve que ça a boosté ma confiance en moi, surtout lorsque j'ai dû prendre la parole en public à plusieurs reprises devant un grand nombre de personnes. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et ça c'est ça qui aujourd'hui ressort le plus pour moi, c'est cette aisance que je retrouve et que je n'avais pas parce qu'avant j'avais pas autant confiance en moi, je dirais, pour la prise de parole en public. D'un point de vue professionnel, le fait de proposer ces vidéos et d'avoir cette chaîne YouTube en support, ça m'a permis d'avoir plus de patients. Mon agenda est rempli et ça, je vous en remercie parce que ben, ça a aussi permis de créer un lien entre moi et mes patients, un lien de confiance. Et du coup, je suis très contente du retour que ça a apporté sur mon planning, sur mon agenda, donc sur la notoriété de mon cabinet. Donc ça, merci encore à vous tous parce que c'est vraiment grâce à vous. Et j'ai décidé pour vous remercier de vous faire une grande surprise. Je vais vous offrir un calendrier de l'après. Donc restez connectés. Après les fêtes, je vous proposerai tous les jours un aliment qui vous permettra de rebondir après les fêtes qui souvent sont un petit peu riches. Mais bon, pour ça, vous pouvez utiliser le conseil de ma vidéo « Comment gérer les sorties » qui vous explique comment rattraper les écarts. Mais en tout cas, dès le 2 janvier, je vous proposerai un calendrier de l'après, donc pendant 24 jours. Voilà, donc je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous bien, profitez bien de vos proches et surtout, régalez-vous bien. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous bien sûr à ma chaîne YouTube. À bientôt !